où tu poses question là, ça, niro diagnan, ça, je là dans PMO. Et les disait où, lui? Il disait où, oui, ou tu me demandes, est-ce qu'il considère pour nous pour aussi battre comme ministre de finance? Et lui, tu réponds, oui, mais après, il décide pour lui garder ça sous lui. Dans ce temps, je vous dis la vérité, c'est ce qui me passait. Ça, on est au diagnostic, tu appelles moi dans ce bureau, dans PMO, tu es dans Nando Boda, tu es dans Ravier Rigadou, qui t'appelle là-bas, avril ou mars. Hein? Mais là, il disait, moi, il disait, moi, devant tout, il disait que ça, je décide pour tirer avec nous pour le ministre de finance, et je vais mettre les affaires étrangères parce qu'il y a trop beaucoup d'affaires là-haut. De là, disait moi, devant Boda, témoin, Yerigadou, témoin, disait comme ça, que ça, je décide pour nommer aussi ministre des Finances. Je suis choc. Je me suis dit, mais je suis déjà ministre Financial Services, Good Governance, plus portfolio ICT, parce que Pravin, ce qui est en dehors. Mais, ou précisément, je disais, mais non, mais ICT là, nous avons un groupe, nous avons mettre Sinat en bout là-bas, parce que vous avez besoin de depuis affaires étrangères. Et, devant nous, le téléphone là, tu la radio. Le téléphone. Et Lydia Ali. Il dit, je ne sais pas ce que ça. Tu vas occuper finance et financial services. Après, moi, quand tu as besoin, tu viens avec moi. Le premier ministre appelle solliciteur général, Irène Déby, dans ce bureau, devant nous tous. Il appelle secrétaire cabinet, Satya Vedzibalak, dans ce bureau, devant nous tous. Il donne instruction pour faire papier, faire lettre avec le président, qui veut remanier ce grand ministre, et qui s'inattend à Bougala ICT. Et sur les affaires étrangères, et il va mettre aussi Badin, Finance, Financial Services, Good Governance. Même les autres ministres, ils viennent, ils ont fait une station de soi là, Bouddha, Tila, Yerigadou, et tout. Ils m'ont demandé s'il y a une lettre depuis le président. Maintenant, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas gagné les escalaires. Et finalement, ils téléphonent le secrétaire cabinet pour connaître. Là, ils comprennent qu'ils prennent une diagnose, ils ont la case que tu ne peux pas, et ils ont interféré ça. Parce qu'il disait, ben, quand il retournait, c'est lui qui est pour le ministre des Finances. Ça, on est disait, comment est-ce que ça Pravin, côté moi là, je ne vais pas cause de cause de l'autre. Je mets le speakerphone, il me dit, il disait, comment il est bien en colère, parce qu'il n'a pas de consultation avant, il dit, d'un parti, ben, nous, du monde dans ce parti, sans lui connaître, ben, il n'est pas d'accord, parce qu'il a besoin au moins de demander. As leader du MSM, avant faire nomination à voir l'être président. Et il a fait bloc l'être président. Astère, ça va répondre à toutes questions, tout le monde dans Maurice qui croit que moi, je quitte ça gouvernement à cause de mon devenir ministre des Finances. Parce qu'il a dit tout la vérité devant eux. Il dit tout ça devant tout le monde. Il dit tout ça devant Déby. Il dit tout ça devant Tibalak. Il dit tout ça devant Irigadou. Il dit tout ça devant Boda. Il dit tout ça devant Jagda. Il dit tout ça devant Jagda. Il dit tout ça devant tout le monde. Algete comme monter dans le gouvernement là.